qui est mieux comme ça. Putain les mecs, vous allez halluciner. Salut à tous, c'est Rio et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Mario Kart 8, pour une nouvelle session de Mario Kart 8. Mais vous allez halluciner. Alors déjà, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que ce pseudo à la mort de moi l'œil là, Carglass. Je vais tout vous expliquer, mais déjà, je me concentre un peu sur la course parce que je suis vraiment à la bourre. J'ai jamais été aussi à la bourre dans une session Mario Kart 8 que j'organise. Parce que la session devait commencer à 9h, il est 9h28. Voilà. Ça vous donne la couleur. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on est super en retard. Vous allez comprendre. Et vous m'en voudrez pas, je pense. Merci. Alors, est-ce que je vis tout maintenant ou pas? Ouh, j'ai envie de prendre la plaque d'huile. C'est de prendre bien le virage. Oh putain, celui-là, je n'arrive jamais à le prendre avec la torpille. Et merde, je loupe le boost. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une session, pour la première session sponsorisée. Alors qu'est-ce que c'est que ça encore? Et merde, ah non, c'est mort. Et ben, c'est une session. Putain, mais je fais n'importe quoi là. Allez, je peux doubler du monde là, si je joue bien. Alors, en quoi ça consiste la session sponsorisée? Bah, en fait, chacun choisit une marque, qu'il veut. Par exemple, là, vous voyez, moi je suis Carglass. On a RCT, Petit Navire, Ucut Movies, Ice-T, Vu, j'avais pas vu. Panzani, avec Monsieur Panzani, on a Air, Jordan, Davilex, Lego, Orangina et Mazda. Et en fait, le but, ça va être plus de jouer pour des points, mais pour de l'argent, pour des Arawaks, j'appelle ça des... des Arawaks, qui en fait va servir à se payer votre véhicule et personnage. Chaque véhicule et personnage a un nombre de d'Arawak, si vous voulez, précis. Et voilà, donc au début on en a 100 et il faut les utiliser comme on veut en fait. Certains sont très chers. Vous vous doutez bien que par exemple Daisy ou Funky Kong, eh bien, ils sont à très très cher, on peut pas les prendre. J'ai fait exprès de les mettre à 100 pour qu'on puisse pas les prendre, ça serait trop facile. Pareil pour la Beckham Bowser, la Motomac, etc. Là Wario, Wario c'est un des personnages les moins chers. C'est un des personnages les moins chers. Il devait coûter 2 Arawak, il me semble, un truc comme ça. Et la torpille a coûté 40, je crois, un truc comme ça. Donc certains ont décidé de tout dépenser. Il y en a, ils ont voulu se prendre des véhicules assez bons. Genre, certains, ils ont pris la Dauphine, par exemple, avec un bon personnage. Alors que d'autres, ont gardé une partie, comme moi. Ils sont pris des merdes, ils ont pris des... genre, car standard, ils ont pris le coin-coin, je vois qu'il y avait aussi le turbo flash, il y a un petit éclair pour vous calmer un peu. Voilà. Mais comme je suis assez pressé là, je pense que je vous ai pas tout expliqué du tout encore. Et donc ça se joue en 3 GP.
Et à chaque GP, on gagne de l'argent en fait. Enfin de l'argent virtuel bien sûr. Qui servira après, bah, ça fait un petit classement et tout. Il y aura d'autres trucs que je vous en reparlerai après durant la vidéo, sûrement. On verra. Alors maintenant je vais vous dire pourquoi pourquoi j'ai pris une demi-heure de retard. Alors déjà c'est parce que j'ai mangé assez tard. Donc je suis revenu, il était quasiment 20h45 et j'avais rien foutu. Je veux dire par là que j'avais pas fait de MP commun ni entré les codes amis. Et je me suis rendu compte que j'avais au moins 6 codes amis à rentrer, 6 ou 7. J'ai dû en supprimer quelques-uns. Et merde, il y a déjà 2 décos. On dirait, parce que je suis 10ème, alors qu'on était 12. Ça commence très mal. Donc voilà, franchement, je suis arrivé à la bourre, j'ai dû tout mettre les codes, etc. En plus, mon PC ramait. Donc j'ai eu trop du mal à aller sur Hooper.fr et tout. Et merde, on vient de la faire. Oh, je suis vraiment le pire des boulets parce que dans la session, quand on fait une course, quand on a une course fétiche en fait, et si on... Ah bah d'ailleurs j'étais dernier donc je vais perdre des points. Et si on la refait, je vais être super mal parce que je suis un gros boulet. Alors c'est bon. Et Carglass le boulet. Et en fait, si t'es premier à ta course fétiche, tu vas gagner des points. Et je vais attribuer un petit titre et tout. Mais là, comme j'étais dernier, a priori, je viens de m'en rendre compte qu'à l'instant qu'on a fait ma course, ben je vais perdre des points. Déjà que j'en ai pas beaucoup, je vais gagner 5. Je vais perdre de l'argent. Je dois vraiment concentrer. Donc il y avait ça en fait. Je l'ai touché, mais je me suis pas pris le nuage, c'est bien. Et aussi le fait que. Donc du coup, voilà. Mon PC ramait, mais ramait à mort. J'ai trop du mal. Et ensuite, j'ai préparé mon mi et tout. Et vous savez quoi? Vous savez la meilleure. Enfin, j'enregistre tout avec mon mi habituel. Ensuite, je prends mon mi Carglass, là, celui-là, et je commence à activer la connexion Wi-Fi, quoi. Et j'ai un message d'erreur qui me dit vous ne pouvez pas utiliser ce nom de mi. Je pouvais pas utiliser Carglass, quoi. C'est vraiment une pure blague, pure plaisanterie. Ça mettait vraiment le message d'erreur quoi. Vous ne pouvez pas utiliser ce mi, enfin j'ai pas tout lu. C'était pas non plus un grand message. Mais... Il disait que j'avais pas le droit d'utiliser le mi quoi. Mais c'est quoi cette blague? Donc du coup j'ai rajouté une parenthèse, un morceau de parenthèse à la fin de Carglass pour que ça soit pas Carglass. Carglass quoi. Mais a priori les autres n'ont pas rencontré ce problème. Je sais pas, ils sont pas amis avec Carglass chez Nintendo. Donc voilà, ça c'était à... Il était déjà 21h passé. Hein. Avec tout ce retard. Je l'ai refilé à vue. Et merde, la torpille, tout tourne pas bien là. Hein. Ah si, il y a du bolide stellaire. 5ème, ouais. C'est pas terrible. Alors, je devais retrouver quelqu'un sur... J'ai baissé un peu, non, c'est bon. Voilà, j'ai dû mettre une parenthèse à côté, quoi. Je devais retrouver quelqu'un sur Skype. Ce qu'il veut toujours. Alors...
Donc du coup je vais mettre aléatoire, je vais pas faire le con. Et donc en fait, au fur et à mesure des sessions sponsorisées, parce qu'il y en aura plusieurs, et bien, il y aura quelques règles qui vont s'ajouter. Ça va être sympa. Eh ben ça tombe sur moi sur la plage de Mascas, tiens. Alors, allez, on va se concentrer. Avec la torpille, celui-là, il est pas compliqué. Normalement, faut juste éviter les petits. Voilà, les petites merdes comme ça. Et qu'il n'y en a aucun qui. Qui a tenté de prendre la. La moto du champion. Ce soir. Hop, faire le kamikaze. Ah, monsieur Panzani. Attention, monsieur Panzani. Ouh, je sais pas si j'ai touché. Mais si j'ai touché, il va pas être content. Oh, mais c'est une blague. Ah putain, la carapace qui me passe devant. Je vais pas me prendre mon item. Ah, on a la nitro, tiens. Lego. On a vraiment des sponsors de tout horizon. Moi, j'ai pas mal hésité au départ. D'ailleurs, au départ, j'étais pas sur cette idée-là. Ça m'a pris vraiment une demi-heure avant le début de la session. Hein. Au début, je voulais prendre Bugatti. Je me suis dit. Et pourquoi j'ai pris Carglass? Parce que j'ai vu en plus, je venais juste de voir à la télé une pub Carglass, je me suis dit tiens, Carglass c'est parfait. Je suis pas dernier, je suis devant Vue et Lego. Ah c'est fini déjà? Non, on a fait 4 courses là? Alors j'ai branché mon... Je vais pencher mon micro. Là, on va passer à mon audioscape. Je me couvre. Putain, mon truc il est. Oh merde, il est niqué. Alors on va le dire. On sera 3 a priori. On est 12 déjà. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Je pense qu'il va y avoir des soucis sur le MP commun. C'est vraiment le bordel aujourd'hui. 3, 6, 9, ils sont bagnagins qui s'est déco. Qui est ce monsieur? Orangina. Monsieur Orangina.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être qu'il y a des gens qui sont des problèmes. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ça va mieux? Ouais, heureusement qu'il y a Tiger qui est là, parce que franchement... Salut Tiger. Ouais, je mets mon enquête, je mets mon enquête. Je l'entends pas. Bon bah c'est parti, on lance le deuxième GP. Ouais, j'arrête pas les décos de la salle à chaque fois que je suis connecté maintenant. Ah. Vive la Wii. Ouais. Malheureusement, ouais. Je vais voir un groupe. Tu sais, quelqu'un filme la session à la terre? Ouais, je sais que quelqu'un filme la session, ouais. Et un Maxo. Mais c'est top secret. Peut-être Maxo, oui, parce que. C'est pourquoi, c'est pas. Ou JM, mais je penserais plutôt Maxo. Peut-être Maxo, ouais. Mais quelqu'un d'autre aussi. JM. Ah, peut-être aussi, ouais. Je pensais pas à lui, mais ouais. Peut-être. Mais sauf qu'il filme demain pour le blood, ça va être un peu compliqué. Tu sais qu'il filme demain, j'aime, il filme demain. Ouais. Je sais pas. Bah, si les infos ne peuvent être rapides comme l'autre, hein. Je sais pas, la session. On verra bien. Comment c'était la dernière de l'EGM qui est rapide. Ah non, j'ai voté aléatoire. Ah, putain. J'espère que la route arc-en-ciel n'est pas tombée. Non, elle est pas tombée, elle est pas tombée. Tu peux la revoter. Les corps champignons sont pas tombés? De quoi? Non. Corps champignons? Non. Non, non, c'est pas tombé. Parce que j'ai voté aléatoire sans faire gaffe aussi. Ouais. Ok. Ah, c'est le gros bordel. Ah, bon, ça demande les corps champignons. Il y a déjà eu une corps champignons. En fait, c'est à Campbell et à moi, c'est leur fils. Mais du coup là je perds des points là. Mais après je verrai comment je ferai, mais je sais pas, on verra bien. Et départ de merde. Moi je suis un fou, je suis en torpille ce soir. RCT, c'est un nouveau. C'est un nouveau, je sais plus son pseudo. C'est pas le killer, par hasard? Ah, si, si, c'est ça. Ouais. C'est comme la session d'hier, on m'a mis un nouveau et puis pas. Camoil, non? Un truc comme ça? Si, si, c'est lui. Lui? Ouais. Est-ce qu'il joue ce soir? Ouais, c'est parce que j'ai pas pu le mettre en fait. Parce qu'il a. Ce con, il a enlevé ses MP pile quand je fais les MP communs. Donc tant pis pour lui. Ah, mais il y a des petits nouveaux quand ils jouent. Nouveau, oui, je ne connais pas. Lui. Mais bon, il joue ce soir en plus. Hein. C'est la première fois que je le prends. Un petit. Oh putain, je suis tombé. Yes.
Un maximum de terminus. Tu vois, ça tombe au moins deux fois par session. Mais je suis pas sûr que je suis tout machin, j'en ai un problème. Je suis top, c'est une merde. Oh là là, je suis dernier, c'est pas possible ça. J'aurais pas dû prendre la torpille en fait. Je suis un gros malade. Ah, je me suis demandé qu'il y avait plus Wario la torpille. Ouais. Ah, petit navire. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la compo qu'on est adapté. Hein. Ouais. J'ai parlé un peu à Burns. Ouais, mais je suis habitué à la motomac, moi. J'ai parlé un peu à Burns à propos du combo. Bon, je suis d'accord, c'est un truc exigeant, quand même, le polystère. Mais c'est vrai que quand je le voyais sur la minimap, il galérait vachement. Hein. Moi, j'ai une petite question, Neta. Pourquoi il y a deux teams, juste deux teams, en fait, on n'avait pas les mêmes véhicules, chacun. Ça, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai rien dit, moi, j'ai rien dit. Mais genre pour les... Ouais, mais c'est... En fait, dans toutes les teams, les deux personnes de la team ouais. avaient le même véhicule, sauf moi et la team de Dark. Ouais, mais c'est parce que c'est Bowser et Bowser Junior, non? Et Donkey Kong et Diddy Kong. Donc, j'aurais pu mettre Bowser plus Diddy Kong. Ouais, mais on a voulu mettre les duos de Double Dash, en fait. C'est pour ça. Par contre, ouais, je veux dire... Ça faisait bizarre, après, si on mettait les deux petits et... En même temps, c'est les ennemis à Mario, hein, Diddy Kong et... Est-ce que moi je dois revoter Gore Champignon ou je vote aléatoire après puisque le mien est pas tombé, c'est sur le camoille qui est tombé. Ouais mais s'il est déjà tombé, non c'est. Tu mets aléatoire. Ah, je dois voter aléatoire, ouais. Je dois voter aléatoire après. Ouais. Parce que si c'était le mien, bah, c'est pas le mien qui est tombé, bah ouais, je pensais qu'on avait. Les champignons moisis. Non mais petit navire. Je cherche à me pousser alors que je suis en dessous, mais lui il est en camé croiseur. Ah il y en a plein en camé croiseur ce soir. C'est qui celui-là, petit navire. C'est Osboul. Alors qu'à nouveau je rentraîne. Il y en a combien en camé croiseur? Je crois qu'il y en a 3 ou 4, 4. Hein. Ouais. Plusieurs, combien de sessions? Je sais pas. Je sais pas encore. Et si on peut pas participer à une session, ça se passe comment pour... C'est pas grave. Tu fais. Tu joues ce que tu veux. C'est genre comme les sessions random en fait, si tu veux. T'en as de temps en temps et. Voilà quoi. De toute façon, tant que tu joues pas, ton nombre de. D'argent entre guillemets, il bouge pas quoi. Voilà, si tu joues pas, ça change rien quoi. Et putain, on m'a poussé dans les champignons, voilà. C'est pas qui est en bolide. Après, je vais prendre l'école, donc je suis pas sûr d'être là pour les sessions. Ouais, mais c'est pas très bien. La prochaine, je serai là, parce que ce sera dans une semaine, non hein. Non, pas sûr. Non, pas forcément. Mais on peut le garder. Ouais, tu pourras le reprendre si tu veux, mais... Toi qui vois. Il faut avoir les points nécessaires, par contre.
Voilà. Il faut le repayer en fait, il sera pas gratuit à la prochaine session. Voilà. Ouais, c'est pas comme à la Grand Tourisme. Je sais pas. Ah, il y a une déco encore. C'est chiant les décos. Ouais. Bon, alors on a quoi qui est pas tombé? Route arc-en-ciel, une sorte de cache de Bowser, c'est les Fantôme 2, le château de Bowser, et le GCN Circuit Mario. Et il y a du Mabit là. Et du Aliat, quoi. Du Mabit. Le Fantôme de la danse, c'est classé dans le Mabit pour moi. Après, tu sais, tout le monde a tout le monde. Ouais, mais quand même, pour faire du truc simple. Dire, on va pas faire comme Super Bowl, tu vas dire les mêmes vides. Oh putain. Non, c'est moi. J'ai dit que j'avais une lumière massacrante, hein, mais. Ok, je viens de me faire chuter, je ne sais pas quoi. Peut-être pas moi, mais je défonce tout le monde là avec quoi. Je vais le démonter. Je vais le dépiécer. Mais c'est qui l'étoile? Putain, quand elle tombe trop mal, la torpille. Monsieur Panzani. Monsieur Maxime. Ah, c'est la course de Monsieur Panzani, il faut la. Faut pas qu'il soit premier. De toute façon, le premier il est super loin, c'est Ousboul là. J'ai l'air. Ouais, ah, s'il finit dernier, il perd des points. Ouais, s'il finit dernier, il perd des points. Oh non, oh putain, oh, oh, j'ai fait. Ah bah non, je suis mort, finalement. Petit champ de banane à l'arrivée. Saloperie nucléaire de merde. Cinquième, je pense qu'ils m'ont mis cinquième là, juste le chipquet. La pire d'eau de. Moi, je me suis fait voler. J'ai pris parce qu'elle coûtait pas cher la bière d'eau. 4 heures. Bière d'eau, ouais, elle coûte pas cher parce que personne ne le prend. Et. Le personnage poulet un peu. Il est pas très populaire. Ouais, mais vu les stats, franchement, en session, il y en a quand même. Ouais. En fait, toi, tu défies sur celui qu'on prenait plus souvent, quoi, c'est ça? Ouais. Ça, et aussi j'ai un peu regardé les stats, mais, après, mais pas trop, quoi. Moi, je classe plutôt par rapport aux stats, parce que franchement, si tu donnes un. Bah oui, parce que si tu prends un combo où il y a les meilleurs stats, c'est sûr que le mec, il va gagner à que 8 coups. Bah ouais. C'est pour ça que je l'aimais plus cher. Bah oui, le mec, il est pas fou. J'ai le scène circuit par gauche. Oui, j'aime. J'aurais bien participé au concours Mario Kart Double Dash, mais j'ai pas Mario Kart Double Dash. Ah, dommage. J'ai été troqué. J'ai plus une petite vidéo, mais bon. Ça sera pour la prochaine fois. Oh, circuit Mario Kart. Je vais acheter un occasion, je crois. Eh merde, on pousse. Ah oui, ça c'est bon ça. Putain. Ah, ça joue bien ce soir quand même. Et du niveau. Sympa la bleue. C'est qui se l'est pris, je crois, c'est Maxou, hein. Non, c'est Ousboul. Du coup, ça me fait passer premier. Pas non. Et encore une bleue. Non. Oh non. Ah, c'est bon. Du coup, c'est moi qui l'ai le 3 alors que j'ai dit deuxième. C'est quoi cette queue? Attends, il a été lancé, j'ai été deuxième. Mais c'est qui en fait, sa remplaçante? Parce qu'il n'est pas à la liste. Vu? Ah, je l'avais pas vu. Blague pourrie.
putain, la bombe. Oh, mais c'est le troisième tour. Oh oui, c'est beau ça, premier. Quelle chance. On est plus que 10 encore. Oui, on est plus que 10. Il y a Air Jordan qui était des coups qu'à moi, quoi. Oh. C'est pas une grosse perte, de toute façon. Moi, j'étais à... Non, on est 11, non? Ouais, mais il y a qu'un déco. Ah ouais, c'est sur la fin, ok. Ouais, il a été déco à la Cirque Mario, quoi. Ouais. Je sais pas s'il le fait exprès, parce que lui, celui-là, comme mec... Lui, il est un petit peu bizarre, hein. Ouais, c'est vrai. Il est chiant, surtout. Il est chiant. Il est très, très chiant. Le mec, oui, j'ai eu une thèse de ta session la dernière fois. Après, il me met, oui, je suis parti de ma session spéciale tous ensemble. Ouais, mais il le met 4 fois. Il le met 4 fois. Il y a un truc que je me demande, là. En dernière page du topic, j'avais fait une annonce disant que ma session, il restait 2 places, ça a été supprimé. Hein? Ah bon? Ouais, dernière page du topic des sessions free, ça a été viré. Bah c'est le modo qui a viré, et ça devait être, t'as dû mettre répondre, non? Au lieu de mettre répondre au sujet. J'ai fait répondre au sujet, et non, non. T'as fait répondre au sujet? Parce que ça se trouve, ton truc, il était attaché à un autre... Bon, ça me gêne pas, parce que les 2 places ont été prises, donc je m'en fiche maintenant. Ouais. Voilà, je me suis demandé pourquoi c'était supprimé. Puis il y a le poste de Kamoal qui a été supprimé qui disait oui, je ferai plus de. Ouais, c'est du flou, c'est normal, ça a été viré, c'est du flou. Il y en a qui l'a viré. Ouais. Et ce qu'il y avait juste après, bah, c'était que. Putain, mais c'est qui m'envoie des avis? C'est que les loups, on n'aime pas les rappels, mais moi je suis désolé, ma session a été rendue 2 pages en arrière, il en restait 2 places. Je mets l'annonce 1 heure plus tard, j'ai plus de place. Hein. Bah déjà, GM il fait ses rappels dans son calendrier, il faut pas le faire chier avec ses rappels. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a un truc à j'aime, c'est pas. Et en plus, il met la page du truc, c'est comme la moindre des choses de lire. Le truc, c'est qu'un j'aime, il sert pas grand chose. Moi, j'étais obligé de faire un rappel parce qu'il m'a cédé 2 places depuis 2 jours. Mais j'ai fait un rappel en 1 heure, il m'a resté plus de place. Ouais. Personne n'était en mode j'aime, quoi, c'est ça. Ouais. Calendrier. Donc je lui ai dit, GM, t'as oublié de mettre ma session. Allez, encore 1 heure de souffrance. Moi je dois vraiment demander à la sécu de me rembourser. Il y a 3 GP là. Ouais, 3 GP là. Ouais, ça fait peu quand même pour gagner. Et une bataille. Ouais, c'est vrai, ça fait un petit peu peu, je trouve, pour gagner. Pour un 4 GP, ça aurait été. Ouais. Ouais, je me suis dit, il y en a, ils ont trouvé ça trop long ou. Bah déjà 3 GP ça fait 3 GP. Tu sais, les sessions c'est 4 GP quoi. 4 GP ça dure plus d'une heure hein, souvent. Ouais. Mais une session qu'on avait fait en 3 GP, je crois que la plus courte c'était en 40 minutes. Mais c'était vraiment des circuits qui très courts qui tombaient en fait. Ouais. De toute façon, les sessions GM c'est toujours 3 GP. Ouais. Il a fait 4 GP. Ouais. C'est d'autant plus je trouve, mais c'est parce qu'il est crevé, il a un boulot. Ouais. Voilà, bon après ça peut se comprendre, c'est. Voilà. Ouais. Ouais, non, moi je veux bien mettre plus, mais après c'est d'autres gens qui vont dire ouais, c'est trop long, un truc comme ça quoi. Non, mais s'il y en a qui veut capturer, ça veut dire que ça va. Alors on pourrait gagner des points sur les batailles, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée ça, parce que ça va être. Oui, ça va être un peu le gros bordel, hein, je pense. On va voir. Ouais. Ouais, comment tu veux comptabiliser les points, les gars? Par exemple, si tu veux les doubler. Ouais, je pense. De l'argent. Des pièces, bah oui, ça fait bling bling. Ça fait des pièces, ça fait l'argent, enfin, ça peut être dans le thème de la session, voilà. Ouais, pourquoi pas. C'est une idée. En fait, faut doubler parce que tu peux pas brûler beaucoup de pièces, hein, après. Ouais. Faut doubler, voilà, c'est ça. Parce que moi, le maximum de pièces que j'ai eu, mais encore, entre cœur, c'était 24, ouais. Moi, j'ai 13 pièces, ouais. J'avais bien aimé une fois une session de GM, personne n'était resté pour la chasse aux pièces, il n'y a que moi qui était resté, on a fait une bataille à deux. On a été déco 3 fois, on a fait que je recommence. Ah ouais, sur le topic c'était Ah ouais? Ah oui.
à chaque fois, je demandais à Modo de supprimer mon annonce pour pas que ça fasse trop floude. Ouais. Parce qu'il y avait comme des boulons qui mettaient des trucs inutiles. Après, on s'y est mis trop bien. Non, mais moi, j'avais proposé qu'en fait, il faut qu'il soit juste pour les annonces de ce soir. Voilà. Bah ouais, c'est ce qu'on a proposé aussi avec les autres hébergeurs. Moi, je vous fais ouvrir un topic pour les time trial, parce que je sais qu'il y en a qui vont discuter de ça. Les time trial et puis les... Enfin, pas les blabla de session, non, mais dire les trucs habituels, ouais. Comme... Les sessions, les clients de session, par exemple, quoi. Ouais. Les sessions, ça prend de la place, mais pour rien, quoi. Ouais. Donc, ça serait bien de voir un deuxième topic qui s'appellerait session free, organisée par, puis entre parenthèses, blabla et blabla, mais... Par contre, il y a un truc qui est bien, mais qui reste quand même à améliorer, c'était le chat de Titange, où il y a quand même des trucs à améliorer. En fait, il y avait un chat à cette adresse, mais maintenant, il n'y a plus de chat. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs. Non, mais Titange, il est bien, mais j'aurais jamais dû l'ouvrir en chantier aussi, de dire... Bah oui, mais c'est déjà que ça peut merder avec les trucs qui traînent en cours. Mais le site en chantier, quoi. Dire le site Hooper, il n'a pas été ouvert alors qu'il était en chantier. Ah ouais. Encore proposer une version démo comme ils ont fait au début pour vous montrer un petit peu ce que c'était, bon en tout cas, ils auraient fermé direct quoi. C'est les screens à la limite, on fait des screens. Ouais. Putain, la route de lune, c'est tombé sur random là, parce que personne n'avait la route de lune. Là, non, je crois pas. Vraiment, oh la folle. Et dixième. Non, mais hier, franchement, c'était une session bizarre quand même. Ouais, c'était bizarre. Ouais. C'était chargeur, il a pris des photos de sa Nintendo 3DS. Ah oui? Ils n'arrivent pas à les mettre sur l'ordi. Non, mais ça, je crois que c'est la version de sa carte SD en fait. Je sais pas, c'est sa version qui doit différer par rapport à son PC. Ou alors il a activé le lock sur sa carte SD, j'ai pensé aussi. Ah, peut-être, ouais. Non, parce qu'il pourrait plus faire de nouvelles données. Mais il n'y arrive pas. Moi, je sais pas, je pense dans ma tête que quand même, quand on prépare une session, il faut prévoir l'appareil photo à côté de soi. Ah bon, on n'oblige pas les gens à filmer, d'accord. C'était l'hébergeur quand même. À le faire, hein. S'il dit qu'il veut pas le faire, le fait pas, et puis basta. L'hébergeur est pas tenu de prendre des résultats, non, hein. Non, si. Il est pas obligé de le faire, hein. Si. Pas obligé, moi, bon, je le faisais, mais bon, ça me fait pour chier. Les officiels, si. Ça me fait chier de le faire, hein. Parce que c'est officiel, c'est une décision officielle. Bah oui, pour les officiels, c'est obligé. Bah, il était officiel, Nintendo 3DS. Ouais, il est hébergeur officiel, ouais. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'il faut être sûr de prendre un hébergeur qui est capable. Au dernier moment, il fait oui, j'ai perdu mon appareil photo, je vais devoir faire avec ma 3DS. Ouais, mais bon, s'il l'a fait quand même, c'est le principal. Ouais, c'est ça. Il a fait même plus dire, c'est bon, tant pis pour les photos. Le partiel où il a ouvert un nouveau moteur de recherche, il y a un bug sur le temps. Ouais. Quand tu vas dans les dernières contrôles, tu tombes sur une page où il y a les contenus de Stan Goblin et tout ça. Ouais, on tombe sur un espèce de truc qui s'appelle les contenus. Non, mais j'ai pas su. Non, mais c'est chiant. C'est chiant. Mais... Après, tu vois toutes les vidéos de Hooper. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Ah. Et quand tu veux par exemple cliquer sur, par exemple, sur ton annonce pour éviter de faire du parcours en page de chat. Ouais, c'est chiant. Moi, je vais cliquer sur mon topic, top 3 des circuits Mario Kart que j'ai ouvert hier. Bah, il a fallu que je retourne dans la table de chat pour le moment. Top 3 des circuits. Oh, vas-y. Ah mais en fait pour la prochaine session on est obligé de garder le même pseudo, on peut changer. Non, tu peux changer. Ouais. Pour un autre sponsor. Personne n'a pris Coca ce soir pour déconner. Personne n'a pris Coca. Je vais prendre Pepsi, car c'est classe. Ah, Coca contre Pepsi. Non, mais les roues ça se back spam pas là, c'est bon. Tiens, glace, c'était trop grave. J'ai hésité en plus à le prendre. Eh mais la blague aussi c'est que... Ça fait pas de la casse. Eh mais tout à l'heure j'ai même pas réussi à me connecter avec Carglass.
Genre, je prenais mon Mi et il me disait impossible d'aller sur le Wi-Fi avec, avec ce nom-là. Avec ce nom? Avec ce nom, Carglass. J'avais pas le droit d'utiliser Carglass. Là, mon pseudo, j'ai mis une parenthèse à côté. Mais sinon, Carglass tout seul, ça marchait pas. C'est une marque, donc. Ouais, mais je sais pas, il voulait pas utiliser Carglass. Impossible d'utiliser cette marque, enfin ce nom. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Première fois que ça me fait ça, quoi. Trois points. Je vais aller loin avec trois points. Il y en a qui disent que deux ronds-points au circuit des I, c'est impossible, ça, normalement, deux ronds-points d'affilée, comme au circuit des I. Que c'est pas bon, ouais, c'est pas possible dans la réalité. Moi j'en ai vu chez moi des ronds-points qui sont connus comme ça. Si, il y en a. Il y en a qui disaient que non, le circuit des I c'était inventé, il ne peut pas y avoir de ronds-points comme ça de coller. Si, on est au Japon, mais bon, les Japonais sont un peu dingues, hein, les radiations, tout ça, tout le reste. Bah, moi chez moi j'en ai, mais c'est des mini ronds-points, des petits ronds-points. Voilà, j'en ai un tout petit peu de chez moi, c'est un rond-point ou un monument en fait. Non, mais. Moi, je pars chez moi, il y a des ronds-points, c'est des petits arbres de 5 cm. Petits ronds de 5 cm. Les camions, les cars, ils passent dessus, hein, ils prennent pas comme un rond-point. Hein. Oui, quand je pense qu'ils pètent nos impôts là-dedans pour des conneries à la con. Oh, jardin! Ta gueule, je t'ai dit d'enlever cette musique à la con. T'inquiète, je vais la baisser demain. Je vais... Attends, je vais mettre un avisé. Non, ne pas déranger. Parce qu'on a visité quand même notre vie, ça sert à rien. Mais c'est quand même génial sur le Skype. Non mais franchement. Alors c'est bien Skype, c'est pas. Oui mais bon, ouais. T'as toujours les désavantages, mais de toute façon je trouve le petit salopard qui balançait les rumeurs, je t'ai dit je lui casse mille. C'est quoi cette histoire en fait, j'ai rien compris moi. Parce que disons que j'étais un mot de qui alors que c'est faux, largement faux. Oui, dans le sens de ma phrase, j'ai écouté dire que je suis fan de sa chaîne et qu'il fallait rien d'autre. Ouais. Et que les gens diraient c'est bon, t'as... Non mais c'est vrai, il faut arrêter de déconner. Mais c'est un com que t'as reçu sur Non, c'est quoi? Enfin, c'est... Où c'est que t'as vu ça en fait? Bah, il y en a qui m'ont envoyé des messages, mais t'as le droit de deck. Ouais. Et encore, c'était moi dans mon message de présentation, c'était un truc qui était tiré déjà de chez JDG là. Je sais pas si c'était qui, soit c'était Shona et Lyon. Ouais. Moi, c'est un truc qui était tiré dessus. Mais parce que moi, je voulais le faire dans le sens de. Je pense que je tire comme ça de lancer des rumeurs. Bah oui, parce que moi, ici, on n'a plus le droit de s'abonner à des chaînes, comme on me le dit tout le temps. Vraiment, non, mais je sais pas, les chaînes que j'aime bien suivre. J'aime bien voir ce qu'ils font comme vidéo, bah je m'inscris quoi. Bah, vu le comportement de certains, que vu le truc qu'il y a eu, moi je suis désolé, mais j'arrête. Je fais même pas de vidéo en fait. Voilà. Je suis désolé. Je suis abonné à la chaîne de Maxou, de Natar, de GM. Ouais, je suis abonné à celle. Bah, je suis abonné plutôt à des chaînes. Ceux qui font du Mario Kart, parce que je sais que de toute façon il y a les MP pour faire les commentaires. Non mais je regarde les vidéos de Maxou qui sont en dehors là, les défis. Les Donkey Kong là, c'est Wacko. Donkey Kong. Let's play. Donc de toute façon, Alex 99 saute, il est pas prêt dehors, hein, ça c'est sûr. Pourquoi qu'est-ce que t'as fait? C'est lui qui t'a. J'ai vu qu'il m'avait fait chier, il y avait lui, il y avait Blood Scorpio. Ah ouais. De toute façon, déjà, lui, il a un micro, il vient pas me. Voilà, déjà, faudrait pas trop se foutre de la gueule tout le monde. Mais je comprends, bien compris, on peut pas parler en audio. Il faut une parole en audio quand on est à deux, on peut parler en audio. Ah bah, c'est souvent la première, il va parler en audio. Mais non, session catastrophique. Qui m'a envoyé cette.
pour l'oreiller. Si le mec n'est pas au courant de ce qu'on fait, ouais. Ça aurait été pratique, quoi. Ouais. Non, bon, après, on force pas les gens à voir Skype, mais bon, après. Non, sinon, bon, à la rigueur, pour ceux qui étaient en solo, mais vraiment qui étaient vraiment tout seuls, mais ils auraient pu remettre des équipes en cas où, je veux dire. Ouais, parce qu'il y a eu des équipes, je sais pas s'il y avait. Moi, je suis tout seul, moi. T'étais tout seul, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi qui était tout seul. GM. Je crois que oui, GM. Moi, ouais, vermeil. Ouais. Dark, content. Il est bien, circuit. Plus sur la 3D, parce que beau vermeil. Hein. C'est vrai qu'il est sympa. Bah, sinon, moi, j'ai dû enlever le petit filet à la fin. Ah oui, ils ont mis un détail à la fin. Oh, c'est con, cool, c'est con, cool, l'état des tablettes. C'est con, cool, cette limite des tablettes, je sais pas, merde. Ça me fait penser à. Comme jeu à con avec JDG où moi j'ai fait. Un truc comme ça, mais des tablettes, c'est vraiment à chier. Non, mais des tablettes, mais qu'est-ce que ça fout dans Mario Kart, non. Alors, c'est pas des supportables, des petites innovations, non. Tellement, hein. Oui, on tente pas du tout. De toute façon, moi je suis pas trop portable. Hein. Ouais. Bon, je reste quand même sur Mario Kart, même si c'est un peu rageant. Mais bon. Tu peux pas passer un jeu sans tuer, ça c'est, je comprends, mais le fait que tu as certains qui jouent les cons et surtout. Voilà. Mais hier j'étais vraiment retrouvé bloqué pendant 15 secondes, on peut rien faire en fait. Ouais, non, de toute façon, toi, t'as la magie, je pense que tout le monde qui t'arrive, vous me gênez, toi qui t'arrives derrière, pourquoi nous? Bah oui, mais il y a des mecs, je me fais shooter par une étoile, d'accord? Et le mec, je me trouve dans l'air, carrément à côté dans l'air. Mm. Et les mecs, ils se décollent l'esprit dans l'air. Ah oui, mais ça m'est arrivé aussi, tiens, j'ai trouvé le. Je crois que c'était Burst, même. Si j'avais vu un gros carte, hein. En plus, je pense qu'il était en ton équipe, il m'a balancé ses carapaces rouges sur l'autodrome. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai des bugs de l'audio. Bon, certes, au début, j'étais un peu sévère, mais non, parce que j'avais déjà subi sur les deux merdes. Non, mais là. Hein. Ça, je vais pas attendre à chaque fois qu'il vient. Hein. C'est pour attendre un rythme de mes mères, on n'entend pas venir. Hein. Mais je suis pas un coup. Ouais, avant le ponton, là, il y a un tremplin là. Il y en a un qui a mis un truc à cet endroit-là. Encore avec la dauphine, il est vachement évitable quoi, le fait. Quand t'as le coup qui bout, le fait que t'es obligé de le prendre quoi. Et j'ai mis une peau de banane à côté. C'est tellement large que t'es obligé de le prendre quoi. Je sais pas si quelqu'un s'est pris un peau de banane. Ouais, y'en a, ils ont pris. Ils ont plus rien. C'est pas. Ouais, après, ils ont pris le droit de participer à la prochaine session en fait. Bah, si, enfin là, ils vont gagner des trucs quoi, mais. Ils auront pas beaucoup quoi. Donc en fait, la banqueroute, c'est juste en cas où tu dépenses tout et que tu ne gagnes rien pendant la session. Ouais. Ouais, c'était dans les négatives en fait. Voilà. En fait, la banqueroute, c'est pas prêt d'arriver quoi. Ouais. Ça dépend. Je sais pas encore, mais je pense que enfin, j'ai une petite idée, mais j'en parlerai plus tard. Combo de merde imposé. Peut-être, je sais pas, on verra. Combo de merde imposé, bah je fais ça, hein. Pas moi. Genre torpille. Mais on a bien la torpille. Les cartes qui servent à rien, je les balance comme vous. Non, mais tu mets ta carte en or parce que quand même, ouais. Ouais, la carte standard. Ouais. Non, parce que moi, là-bas, je voulais faire une session du même genre. Ouais. Mais quand même plus soft, hein, quand même.
Bon, à la base, je mettais des cartes, mais par défaut, en fait, que tu pouvais avoir directement sans payer. Ouais, truc gratuit. Ouais. Alors, la bataille. En fait, je voulais copier le concept de Gran Turismo, hein, quand t'achètes des équipements pour abandonner ta bagnole, voilà. Après, le problème, c'est que si t'as toujours une carte gratuite, tu peux jamais faire beaucoup. Ouais, mais si, ça dépend de ce qu'il veut, hein. Après, je passe le résultat selon de selon le pognon et non de quoi. C'est un GP en plus pour combler les décos. moi, je veux bien le faire, écoute. Voilà. Après, moi, j'ai mis aussi un système de revente, en fait. Je veux dire, des systèmes de l'écurie, en fait, t'achetais plusieurs bagnoles et tu pouvais choisir parmi ces bagnoles. Et puis, certains, si tu voulais te faire du pognon, tu peux les revendre à moitié prix. Ah non, c'est pas con, ça, oui. Mmh. Après, bon, il faut le dire quand tu changes de bagnole, quand tu vois quoi. Après, c'est vrai que ça demande une grande organisation, quoi, c'est sûr. Ouais. Parce que oui, t'as la revendication. Je voulais faire un coup le soir, mais bon, comme c'est terminé pour moi, de toute façon. Oui, tu fais plus de session le soir. Ouais. Non, mais si jamais il y en a qui ça saoule et que je le remplace, moi, je veux bien, mais c'est seulement pour le week-end, parce qu'en ce moment, je vais peut-être un peu. Donc tu fais quoi en fait à la terre là? Tu fais 4ème GP ou tu lances la bataille? Bah je voulais attendre voir s'il y a des gens qui voulaient partir mais... Bah moi j'ai mis à Grand Prix donc oui. Plus ça ne marche pas. Ah ils veulent tous faire une arène de ballon je pense. Bah je ferai un GP après alors pour ceux qui restent, je ferai un GP. Et après... pour combler les décos, ouais, c'est vrai que c'est pas bête parce que moi je fais que de GP quoi par exemple. Puis Dark aussi. À mon avis, j'ai vu un bug à la fin, mais je me suis dit, je vais pas être déco. J'ai vu vraiment un gros bug, et ça laguait à mort. Ah oui, en fait, tu fais le GP après la bataille, c'est ça? Ouais, bah du coup, ouais, vu qu'ils veulent tous faire une bataille. Ouais, là, je prends mon Mi. Ouais, prends ce qu'on veut là. En vrai, il faut peut-être le dire dans le MP quand même. Oui. Mais je pense qu'ils vont pas changer, je pense qu'ils vont comprendre. Parce que souvent, les batailles, tu sais, c'est libre choix, quoi. C'est souvent ça dans les sessions. Ouais. Terre, hein. Glace, Ice Tea, Orangina, Petit Navire, une Gut Movies, Monsieur Pandani. Je suis très bon en pièces par contre. Je crois que tu détestais ça les pièces. Non, oui, je déteste l'aléatoire dans les pièces, mais je suis assez bon. Enfin, je déteste quand, genre quand t'as 20 pièces, tu fais toucher, ça y est, t'as une petite pièce. Ouais. Mais j'aime bien les pièces sur certaines arènes. Voilà. Ouais. Par exemple, sur le Desert Pool, les pièces, c'est n'importe quoi. Mmh. J'ai arrêté les pièces, hein, ça me saoule. Sur la Cookies Arena, les pièces c'est n'importe quoi. Mmh. Ça te fait une petite con, c'est intéressant. Ma petite nièce, ah, il arrive très bien. Ma petite nièce, elle arrive très bien dans les batailles de pièces. Oh, c'est quoi ce terrain? C'est l'armoisie ça? Le désert pont, il arrive tout à l'heure. Oui, je le fais rarement lui. C'est une PGM, ta nièce. C'est son GM, j'irai, ta nièce. Ah bah, putain, c'était vraiment une pièce à un moment. Ouais, mais putain, en fait, il y a un truc qui va sûrement être vrai. Plus tu vieillis, plus tu deviens moins bon, en fait. Ça, c'est une petite. Ah, c'est moi qui. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des items, là, quoi. C'est quelqu'un. C'est moi. Ah bah, je crois que j'ai snipé avec un fake. Excellent. Ah, champi peut-être. Tiens, je me fais toucher par une carte qui vient n'importe où, c'est bon dans tout. Allez. Je voudrais m'expliquer comment tu te déplaces là-dessus, moi je ne peux pas. Ouais, il est chelou ce terrain quand même. Ça. Bah, le terrain, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il est pas comme le terrain. Hein. Allez, tiens, le pepperoni. C'est comme les grands champignons, quoi. C'est quoi ce que tu veux? L'original. La technique de la Kalashnikov. Là, c'est Ice qui t'a mis. Ah non, c'est pas lui. Monsieur Steve, vive les items de merde. Hein. Oh putain. Que des carapaces vertes et des fakes. Si merde. Ouais. En fait, ils sont un peu au milieu dans cette arène. Hein. Ah mais. Elle est rouge. C'est pour qui la rouge? Oh, c'est pour lui. Enfoiré, on va piquer un ballon. L'air. Oh non, mais viens nous, ce verre, c'est n'importe quoi!
n'importe ma langue, quoi. Sur Mario Kart 7, il y a quand même beaucoup. Casse-toi là, putain, il me fait. Il faut pas qu'il est dans mon équipe, il me fait du rentre dedans là. Il y a bien beaucoup sur Mario Kart 7. Il a pas les couleurs sur sa télé, c'est pour ça. Je suis en mode campeur là. Il y a un petit coup de pierre, Jordan. Non, 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 non. Sale coup de pierre. Est-ce qu'ils ont changé? Regarde, il y en a un qui a pris Skiller Rex, il n'y avait aucun Skiller Rex en course là. Ouais, il me semble bien. Il n'y avait pas Skiller Rex en course tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait pas de Wario non plus, hein? Si, 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 il y avait deux Wario par contre. Il y avait un. Un Wario en carte lourde, je crois. Non, il y en avait deux. Il y avait un Nathan et puis un autre. Ouais, ouais. Oh putain. T'as l'idée de prendre ça, c'est un carton. Bataille toute moi aussi. Qui aurait été des coups, là, je comprends. Là. Non, en fait, c'est con le système. En fait, le système aurait pu mettre des mecs forts pour compenser, en fait. Mm. Ah bah, je sais pas si les équipes ont calculé en fonction des cotes. Bah voilà, c'est. Ouais, mais Nintendo, ils ont rien à foutre de Mario Kart, en fait. Ah, ils font du boulot quand même sur Mario Kart. Ouais, mais t'as pas l'impression que tu le vois, là. Ils ont rien à foutre, moi, je te le dis. Oh, il a beaucoup été travaillé, comme dirait James, sur Mario Kart. Hein, sur Mario Kart 7, ouais. Pas le mondial, hein, pas. Celui-là a beaucoup d'efforts. Ouais, le mondial, oui. Depuis 2008, ils auraient pu faire un effort quand même. Ils auraient pu le ouais, faire des mises à jour et tout. Déjà, quand tu décodes, tu perds des points. Ouais, c'est pas trop ta faute. Ouais, mais je veux dire quand même, c'est ce jeu qui a instauré le système. Du online, non, parce que c'est Mario Kart DS qui l'a installé. Mais le online optimisé, quoi. Quand même. Bon. C'est le premier essai, quoi. J'espère qu'ils sortent un Mario Kart sur Wii U. De toute façon, ils vont sortir un Mario Kart sur Wii U. Ah ouais, ça c'est obligé par contre, ouais. J'ai du mal à être objectif, de toute façon, sur tous les Mario. Parce que je suis fan, donc. Ouais. Et après, contrôle tout, ouais. Alors, Pumpagro, tu me mets que le Mario d'aujourd'hui est beaucoup moins maniable que le Mario d'hier. Si j'ai que ça. Je vais me foutre avec des bombes, quoi. Tiens, David, je t'ai mis quoi. Oh non, je suis pas du tout. Mais t'as visé que ce jeu mode, c'est quoi comme marque ouais. D'accord, original, d'accord. C'est comme GM, hein. Parce que c'est sa marque, il y a une. Petit navire, ouais, je comprends, mais moi je déteste le poisson. Je suis allergique, de toute façon. Ah bon? Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est pas bon, je te ferai remarquer que j'ai plein d'allergies qui sont assez fatales.
vrai que c'est chiant, mais je vais y arriver. Moi, je suis pas d'accord avec JM qui dit que les faux fakes, c'est difficile à identifier. Ça dépend desquels, hein. Je crois que les rouges, ils ont du mal à distinguer. Mais non, non, c'est les bleus aussi, c'est pour toi. Je sais pas, j'ai... Merde, mais quoi, j'ai suicidé au lieu de te buter, Dark. Les carapaces sont avec toi, là. Genre, j'étais à 3 mètres de toi. Non, sa carapace, elle suicide tout le monde, c'est n'importe quoi, là. Mais ce qu'il fait, Carglass, là, hein. Je sais pas, Carglass. Carglass, il répare, il remplace. Non, mais il casse. Mais c'est marrant, à la fin, tout le monde se suicide dans le lit. Ah, Carglass, il ramène 3 points quand même, hein, le petit Carglass. 0 points, moi. Bah, bravo, Rangina. Rangina. Bah, non, mais j'ai mis le milieu au pain avec des lunettes de soleil, Rangina, le soleil. Non, maman, moi je mets. Ah, bah, c'est dommage qu'on peut pas mettre ta classe de football. J'ai mis le mi-orange. Orangina, orange. Ouais. Bon, allez, on fait un petit dernier grand prix. Bon, c'est la déconnexion. Faudrait que tu dises un grand prix sur la salle, tu vois. Pour dire que tu vas faire un grand prix, quoi. Ouais, mais là ils vont partir. Profites-en pour caler le 1 grand prix, quoi. Genre, ça peut-être pas qu'il y a un grand prix, donc. Ouais. Après, il y en a qui ont été des causes dans plusieurs GP, on va pas refaire un GP pour chacun. Ou à la rigueur, faudrait regrouper tous ceux qui ont été des causes en fait. Ouais, mais il y aura pas assez de joueurs. Au pire, tu divises les points si c'est. Ouais, tu fais une tranche et voilà. Prochaine, il y en a qui partent. Du coup, je veux bien rester. Hein. Si tu veux faire un dernier grand prix, je veux bien rester. Ouais, je vais leur dire que je suis un dernier grand prix. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a un truc qui me surprend, c'est que. Un truc qui serait bien, je trouve, c'est que les messages de l'hébergeur passent en priorité. Voilà. Genre, des messages qui passent en priorité. Devant tous les autres trucs, du type merci pour ce bon moment, à la prochaine. Ouais, parce que t'as toujours une. Des cons qui spam comme des tarés et surtout qui mettent des trucs hors sujet. Or, genre les bleus ont gagné, alors tu détruis la session. Oui, c'est clair, il y en a qui mettent n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Ah non, je veux pas ça, c'est faux. Non, non, non. Un grand prix. De toute façon, je crois que c'était dans la converse qu'on avait fait avec Masu, Andas et de qui. Je crois que t'as des cons, t'as beau leur dire que t'es pas là, t'es quand même des merdes en fait. Tiens, il y en a un qui est parti. C'est qui? C'est Max ou qui? C'est Pandani. Pandani, j'aime pas les Italiens. T'aimes pas les Italiens? Ah non, 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 je peux vraiment pas les libérer avec leur accent à la con. Moi, c'est l'équipe des quoi? Moi, je suis allergique aux Québécois. Bon, bah, tu vas être déçu, hein, petit Boc, Mr. Freeze, belge québécois. Belge, pour voir encore. Alors, les Québécois, faut pas les voir. Bon, bah, c'est parti, Grand Prix. Mais par contre. Grand prix pour rien. On va être bien 5, hein. Vu qu'on est 5, je vais pas faire. Ça compte pas quoi. On pense qu'on veut. Ouais, on pense qu'on veut. Ouais, tu vois ce que tu veux. Attends, on voit ce qu'on veut. Ouais, tu peux. Je sais pas, c'est quoi qui est tombé pour une queue. Si, à Picamol, on a remonté les gorges champignons. Ouais, une 75. Ah bah, ça va retomber, c'est sûr. Sur 5. Et voilà. Celle de Camol. Hein. Et voilà. Champignon moisi. Les autres ont dû prendre le même combo en fait. Bah ouais, je crois qu'il y a eu un carton. Ils l'ont gardé ? Ouais. Ah ouais, carte standard. Tu vois, il y a Wario toi. Le pauvre. Je sais plus, c'est assez GM en plus. Non mais ça va, j'arrive quand même à massacrer. Mais dire que le carte. Le polystellaire est un maniaque, là, d'accord, ça dépend certes.
Mais il est pas maniable, voyons. Moins exigeant, je pense. Franchement. Mais... C'est vrai qu'il galère, je vois ici sur le tracé de la map. Mais il tourne bien quand même, hein. Il tourne bien, c'est juste la vitesse en fait. C'est ça, hein. Mais il galère vraiment, hein. Je sais pas. Hein. Non, mais moi, je vais pas m'attendre à. Je vais pas m'abuser à l'attendre. Hein. Attends, autant faire. Je sais pas, moi je dis que le type là c'est bien, mais si c'est pour jouer les grand-mères. Jouer les grand-mères. Je sais qu'il faut quand même un minimum de skill, mais là. Au pire, le mettre en automatique, quoi. Ah, mais je crois que c'est pire, hein. Je crois que c'est pire. Non, non, non. Ça tombe tout seul après. Moi, je suis déjà en automatique, c'est pire. Autant le mettre en manuel. Ouais. De toute façon, en automatique, c'est de la merde. Pour tous les cartes moto, automatique, c'est de la merde. Wario, carte standard, ne bouge plus. C'est qui a pas lancé la bombe? C'est toi, toi. Ah ouais, je suis beau, merde. Je suis pas attention, ce que je fais. Je me suis même pas rendu compte que j'avais un autre item, en fait. Et je l'ai peut-être mis. Mais c'est quoi, toutes ces bombes? C'est la mienne, celle-ci. Il y en avait une autre derrière, t'as vu? C'est bon, là. Bah, tu l'avais joué à la guerre mondiale, ok. Encore une, encore une, là. C'est le coup, j'ai évité, mais j'ai juste foncé dans le mur. C'est quoi, tu te trompes de merde là, c'est clair. Quoi, tiens-moi le premier grand champion. Non, je vais essayer de gruger Mazda là. Non, mais en tout cas, je sais pas qui c'est qui a écrit pour l'a dit. Bon, pour le perso, moi je m'en foutais de faire une session. Bon, c'est vrai que je suis souvent là-dessus. Bon, on laisse la place aux autres, d'accord. Ouais. Ouais. Demain je te préviens qu'Alec il va plus me voir. Quand l'Ali, c'est quoi déjà? C'est le truc Star Wars. Ah oui, moi je suis inscrit pour tes troisième remplaçant, toi. Ouais. Bah par contre, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a. De toute façon, je sais qu'il y en a un ou deux qui vont pas venir, ça c'est sûr. Ouais. J'ai repéré les deux, surtout deux qui vont pas venir. Hein. Ça? Kamoal peut-être? Kamoal, bon, il fait son poulet. Hein, je sais qu'il fait son poulet. Urban Freestyle, bon, j'ai jamais vu à l'œuvre. Si, 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 Urban Freestyle, il vient. Il est ponctuel, il est venu à ma session tout à l'heure. C'était le premier entré en ma session. Je crois que c'était vendredi, je crois qu'il était inscrit, je crois. Non, non, mais Urban Freestyle, il vient en session. Moi, il est venu à ma session. C'est un nouveau, lui, non? Je l'ai pas vu. Non. C'est un nouveau? C'est le premier. Non, tout seul, hein. C'était, il s'appelait Sucre. Je dirais. Ah, c'était lui. Il s'appelait comment? Sucre, il s'appelait parce que c'était la session cachée sous un pseudo. Quoi. Sucre? Avec tout le monde se cache sous un pseudo. Super pseudo. Non, sinon, il y a toujours les kikos de base, mais là, franchement, quand t'étais pas là, il y avait beaucoup de kikos. Là, franchement, c'était n'importe quoi. Il y avait des sessions. C'était l'invasion. Il y avait des sessions tous les après-midi déjà. Ouais. Ah. Ouais, j'avais 10 kikos qui s'inscrivaient, mais qui se pointaient jamais en fait. On s'inscrit mais on se pointe pas. C'est ça qui est bien, mais c'est... Allez. Bon, tu vois, c'est qu'il y a pas de ça fait chiant, là. Au début, quand je fais mes sessions d'après-midi, il y avait tram. Franchement, celui-là... Déjà, FND, elle est pas perdue. C'est du 9, il est pas plus deux fois. J'ai hésité à demander à Malus. Mais après, il m'a dit oui, j'étais obligé de suivre la famille au cinéma. Donc il a fourni. Ouais, mais bon, est-ce que c'est vrai? Parce que. Ça trame. Tu peux dire des conneries comme ça, mais est-ce que c'est. Je crois qu'on va pas mettre les gens, on va pas mettre les gens. C'est moi le fait qui a rebondi. Ouais. Bah, je sais pas, j'ai quand même l'impression de l'avoir traversé. Et non, mais quand même, il a rebondi contre le. Tu sais, la ligne de départ, la Mario Kart, le drapeau là au bout. Il a rebondi contre la banderole. Oh non, Cameron, putain. Mais c'est qui me colle au cul, là? C'est j'ai mal au cul? Non, non, ah si, c'est quoi comme marque? Ah, il m'a dit c'était une marque de chaussures. Il m'a dit c'est une marque de chaussures. Je l'ai vérifié et tout, c'était vrai. Tiens, GM, ça va? Ah, j'en ai. Carglass répare, Carglass remplace. Putain, la rouge là,
C'est qui ça encore? C'est CGM, je crois. Sérieux, j'ai une carapace verte, elle m'est passée carrément à travers les mains. Le sel tout à l'heure, il touchait pas du tout, hein. Bah, j'ai quand même frôlé, hein, mais je crois que j'ai même touché à la pointe du cul, en fait. Tu vois, ce qui est marrant, ma session, c'est qu'il y a eu 3 désistements, quand même. Je crois que c'est un record, c'est 3 désistements. Non, j'en ai eu des désistements, mais prévenez pas. Ouais, j'aurais dû. Ouais. J'ai pas eu le temps. C'est déjà la bourse ce soir, donc. Ouais. Oui, mais j'ai vu un moment que tu t'es découpé, c'est pour ça. Bah oui, je me suis découpé pour reprendre mon mi. En fait. Ouais, il y avait un autre, ouais. C'était qui? Ah, c'est un mec. Que vous ne connaissez pas. Genre, c'est un mec qui n'est pas de coupure.fr, mais il croyait que tu pouvais te rejoindre. Quoi. Voilà. Tout à fait ça. Ce son Tiger, c'est un peu trop fort. Le son quoi? Je sais pas, il y a de la musique qui est un peu trop forte. Non. C'est le son du jeu peut-être. Ah, le pic des cas, c'est ma course. Je sais pas pourquoi au début je l'ai détesté, mais maintenant, c'est pas. Dommage pour toi. Je l'ai ouvert aussi à un forum à moi, mais... Oh, le zap. Tiens, Regina. Carglass. C'est Air Jordan qui se l'est pris, mon petit nuage. Oh non, mais non, c'est n'importe quoi. Pas mal, pas mal. C'est de ça d'affilée. Et je dis bien d'affilée. Bah moi, c'est 7 bleus d'affilée aussi. C'est 7 bleus en 50cc, c'est quand même fort ça. Si ce mec j'avais trop d'avance, bah à chaque fois, bah, il me balançait des bleus. Voilà. Ah oui, en fait. Mais sauf que les bots, des fois, vous savez, s'ils trichent aussi en fait. Bah, les bots, ils trichent, les bots. C'est quoi bon? Est-ce que ça compense leur bêtise? Je sais pas. Faut arrêter avec vos rouges là. Ah ouais, par exemple sur Alerte Rouge 2, t'avais 3 niveaux de difficulté, mais quand tu mets vraiment dans le niveau le plus facile, quand tu mettais en niveau facile, les potes étaient vraiment stupides. Désolé, désolé Dark. C'est moi. Qui a mis le pot moisi là? Et voilà, premier sur ma course. Oh, génial. C'est pas la place. Ça m'a fait grandir au second coup. J'ai une question très conne.
Le fait d'avoir 3 étoiles, est-ce que ça influe sur la fréquence des arbres? Là, faut qu'on m'explique un truc. Non, non, non. Non, mais bah, normalement, non. Prototype disait dans une converse cake que plus t'avais d'étoiles et plus t'avais de chances de tomber sur. Sur un zap. J'avais pas prototype, il avait Skype. Ouais, mais oui, sympa lui, sympa. Si, mais ouais. Comment sur Skype? Bah, prototype, je crois que c'était Oshiva. Ouais, c'est Oshiva, ouais. Je me suis fait un petit 1 contre 1 avec lui. Et son pseudo, c'est prototype sur un mousse. Alors, c'est fini par un break. Ouais, j'aime la lui aussi, mais ça se voit pas quand tu le calmes. Hein. Non, je crois ça. Tu fake? Hier, une maman chambrée. En plus, j'ai acheté un dada, mais. C'est la technique du chocolatier. Qui c'est la désistante d'Arthur? Bah ouais, mais j'ai pas un con, là. Tu m'as mis ta beauté. Par contre, en passant, tu m'as fait tomber dans le vide. Petit champ de bananes, ça vous plaît? Elle vous plaît, mes bananes? Bah j'en ai mis d'autres après, tu vas voir. Petit cadeau. Interdit au plus de 18 ans, attention. Oh putain, la bleue. Vous avez fini avec vos rouges là? Tu les as pas pris? Bah non! J'avais une protection! Mais j'y ai ma pas bougé des fois! Si, bah alors il va finir ça, je pense! Joue à quoi toi, Nathar? Tu joues au Tokyo Remote? Non, manette GameCube! Voilà la première fois. Bon. Et ben dommage que cette partie n'ait pas compté. La session se termine. Voilà, bon, je vais leur dire que c'est terminé.
Merci pour ce moment. Bonne nuit et à la prochaine. Bon, j'espère que cette vidéo de la session Mario Kart Wii vous aura plu. La première session sponsorisée. Session Mario Kart Wii sponsorisée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Mario Kart Wii. Allez, salut à tous.